Les travaux de nettoyage et d'assainissement de la baie de Cocody avancent bien. C'est le constat effectué le jeudi 10 août par le ministre Boaké Fofana, chargé de l'hydraulique, l'assainissement et de la salubrité. Le chantier s'est déroulé en plusieurs phases, à savoir le dragage et l'assainissement du front lagunaire, l'installation des cavaliers de protection des berges et le drainage des eaux usées et pluviales. La réhabilitation écologique de la baie répond à la nécessité de dépolluer la lagune et briller, de favoriser le renouvellement de ses eaux par un traitement adéquat et de reconstituer ses ressources halieutiques. Vous savez que le président de la République va inaugurer le pont à Auban le samedi. Alors, ce projet-là, il y a beaucoup de projets qui ont cours en même temps dans ce périmètre de l'Indénier. Il y a la partie infrastructure, notamment c'est le pont, c'est l'échangeur et tout ça. Mais in fine, à la fin de la journée, ce que le gouvernement essaie de faire, c'est la valorisation de la baie de Cocody. Ce canal-là, ça fait peut-être une dizaine d'années que personne ne pouvait voir le fond du canal à cause des dépôts de déchets, de sable, de tout ce que vous voulez. Alors, ce que nous avons fait comme travail ici, parce qu'il y a ce bassin, il y en a un devant Fraternité Matin, un autre côté lycée technique, nous retenons tout ce qui est déchets en amont. Ce n'est pas un travail facile. Donc, on a mis des dégrilleurs. Ce qui était ici avant, on l'a enlevé. Il y a un dégrilleur à Fratmat, un autre au lycée technique, qui arrête tous les objets solides. Il est important de rappeler que le coût de réalisation de ce projet est de 137 milliards de francs CFA et au-delà des aspects touristiques, l'aménagement répond à un défi écologique tout en intégrant une vision urbanistique.